Bonjour, bonjour. You see, oh, still you're searching for someone who will. I'm right here. I'm the one. You don't have to search no more. I'm the one you're looking for. When you call me, I will respond. When you call me, I will respond. When you call me, I will come right into your heart. I will respond to you. You see I, still you're searching for someone who will respond. You search high, still you searching for someone will respond. I'm right here, I'm right here, oh Jesus. When you call me, I will respond. When you call me, I will respond. When you call me, I will come running to your arm. I will respond to your. Hey! Dun, dun, dun. I'm the one. Oh. You don't have to search no more. Oh, Jesus, I'm the one you're looking for. Oh Jesus, I'm the one. You don't have to search no more. I'm the one you're looking for. Oh Jesus, call me, I will respond. When you call me, I will respond. When you call me, I will come running to your arms. And I will come right to you. You search high, you search high. Still you're looking for someone who will respond. I'm the one. Ooh. You don't have to search no more. I'm the one you're looking for. When you call me, I will respond. When you call me, I will respond. When you call me, I will come running to your arms. I will respond to your. Oh. When you call me, I will respond. When you call me, I will respond.
When you call me, I will come running to your arms, and I will respond to you. Thank you, Jesus. In the glory of your presence, I find love for my soul. And in the grace of your love, I find peace, makes me whole. I love your presence. I love your presence. And I love you, Jesus. I love your presence. Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons nous fortifier en toi, Seigneur. Tu es notre rocher, tu es notre abri. Tu es notre abri, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous pouvons tout affronter, Seigneur. Je viens renouveler dans tes enfants un esprit nouveau, Père très saint. Selon Romains chapitre 12, au verset 1 et 2, je déclare que vos pensées sont renouvelées avec la parole de l'Éternel ce matin. Je déclare que vous êtes une femme nouvelle. Je déclare que vous êtes un homme nouveau. J'enlève toutes les croyances limitantes que vous avez dans votre esprit. Tout ce que l'ennemi a déposé en vous pour vous faire douter de vous. Tout esprit de comparaison. Ce que vous avez traversé. Quand vous me demandez de prier pour vous, je prie pour quoi, s'il vous plaît? Seigneur, je fortifie tous tes enfants qui écoutent ce matin. Je déclare que ce qu'ils cherchent, ils ont longtemps erré. Père, tu les trouves aujourd'hui. Tu les localises, Seigneur. Sentez-vous aimé ce matin. Sentez-vous supporté ce matin. Le Seigneur me dit de vous dire que vous n'êtes pas seul. Physiquement, vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Quand Jésus est arrivé devant Pilate, Pilate lui demande, tu es qui? Vous savez que Jésus ne se bat, il avait compris qu'il ne se bat pas contre la chair. Il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas les choses de notre royaume. Vous m'avez dit bonjour au Radisson. Je ne vais pas vous mentir. Par jour au Radisson, j'ai au moins 5 personnes qui me disent bonjour. Et toutes les serveuses là-bas me connaissent. De TikTok, c'est comme si elles sont abonnées, je ne connais pas. Donc quand tu dis la femme, tu étais comment? Tu étais avec qui? Éternel, je viens fortifier l'esprit de tes enfants. J'enlève les découragements, les pensées limitantes que tes enfants ont en l'intérieur d'eux. Tout esprit de comparaison. Je sens quelqu'un qui est alourdi, tu es alourdi. Tu as été avec une personne et tu as pris ses esprits. En fait, tu ne te bats pas contre tes propres démons, tu te bats contre les démons d'une autre personne. Éternel des armées, je te confie le cœur de cette femme. Je déclare que tout esprit de lourdeur qu'elle a pris dans cette relation. Hier, je suis en train d'ouvrir un local à Louis, au Gabon. Et hier, donc, j'étais en train de montrer les directives à une dame. Et une dame passe, elle me voit, elle me reconnaît. Elle vient. Dès que je la regarde, la première chose qui brillait sur elle, l'homme avec lequel elle est. C'était dans ses yeux, c'était sur elle. Je sais que vous ne pouvez pas voir, mais je lui dis que, tu ne parles rien d'autre. L'homme avec qui tu es là, c'est qui? Je sais que je dois le quitter, je sais, mais
Ne vous compromettez pas. S'il vous plaît. C'est toi qui avais un fils, tu m'as montré la photo de ton fils. Écoutez bien. Tout esprit qu'un homme vous a donné, qui suce votre énergie, selon la parole de l'Éternel, je viens vous libérer. Je commande que cet esprit sorte de votre corps. Il y a le thé, ça s'appelle le thé de désenvoûtement. Si vous êtes à Douala, peu importe le local où j'ai mes produits, demandez le thé de désenvoûtement. Les serpents qui sont dans votre ventre là, ça deal spécialement avec ça. Prenez ça, deux paquets, ne prenez pas un, deux. Vous buvez. Tu fais bouillir, tu gardes au frigo. Tu prends un matin, un soir, un verre matin, un soir. Je commande à l'instant que tu m'écoutes, tout dépôt qu'un homme a fait dans ton corps. Et depuis que vous avez couché ensemble, tu ne te... C'est vrai que quand les gens parlent, ils font leurs histoires ici là en ligne, vous prenez à la légère. Il y avait une, ça fait 2-3 mois, il y a une dame qui a... Un monsieur lui a donné de l'argent quand il a eu des rapports avec elle. Après ça, c'est parti se désintégrer carrément. Il y a quelque chose qui se passe pendant l'acte sexuel. Je déclare que comme tu m'écoutes, tout ce qui a été planté dans ton corps par un homme, par une femme, tout esprit de contrôle, tout esprit qui vide ton énergie, je t'en délivre au nom de Jésus. Il y a des hommes avec qui tu pars, tu sors une fois avec lui. Tu commences à devenir seulement comme une prostituée. Toute carapace que l'ennemi a mis sur ton cœur, qui a fait que tu es devenu dur à la parole de Dieu. Quand tu vois quelqu'un prier, tu fuis. Tu vois quelqu'un prier, tu fuis. Toute douceur de ton cœur par rapport à la parole de Dieu, je casse cette coquille comme tu m'écoutes. Comme le Seigneur a permis que tu m'écoutes, c'est pour ça que vous devez être sur les réseaux sociaux. Les gens fuient souvent l'église parce que le Seigneur, l'ennemi t'a sorti de l'église. Gisèle, je te bénis. Merci d'avoir partagé ce live. Je te bénis, Gisèle. J'enlève les lourdeurs sur toi. On t'empêche beaucoup de parler dans ta famille, Gisèle. Je déclare que tu es libérée. Tu veux faire le bien des gens, mais on a trop abusé de toi. Je pense ton cœur, Gisèle. Je pense ton cœur. Je pense tes blessures. Je pense tes blessures. Arrête de pleurer. Le Seigneur me dit, arrête de pleurer. Seigneur Dieu, je déclare que la saison de Gisèle est arrivée. Papa Yahweh, je déclare que tes enfants ne vont pas se décourager de faire du bien. Toute personne dans vos familles qui a abusé de vous. Sam, Alex, je prie pour que tu sois fort. Reprends tes activités, reprends ton business. Tout attaque sur ta vision. Les business, tu aimes faire les business, mais on t'a attaqué. C'est parce que tu es trop découragé dans ce sens-là. Papa Yahweh, je fortifie tes enfants. Je les fortifie. Je déclare qu'aucune arme que l'ennemi a forgée contre eux ne va prospérer. Je libère vos gorges. Je vous libère vos gorges des sensus spirituels. De tout ce qu'on a mis. Même embrasser un homme, souvent, c'est pas bien. Seulement embrasser là. Parce que tout est dans la bouche. Quand il vous parle, Jean 6, verset 63 ou 66. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Ce qui sort de ma bouche. Imagine que tu parles, que tu embrasses le monsieur. Parfois, il y a des personnes que tout ce. Quand il ne veut pas vraiment faire l'amour avec toi, il veut seulement que tu mettes son truc dans ta bouche. Ça abîme ta gorge. Je viens de délivrer vos gorges de tout ce que l'ennemi a déposé à l'intérieur de vous. Je vous libère. Même si ça fait 10 ans, 15 ans. Sam Alex, je te fortifie. J'ai un de mes petits, je vais vous raconter son histoire. Il garde mon chien. C'est un petit que tu le vois, il est trop gentil. Il est simple. Depuis l'année passée que je le connais. Quand je me déplace, c'est lui qui garde ma chienne. Il s'élève un peu comme ça là. Pap, il tombe. Récemment, il a fait un voyage pour aller acheter des choux à l'étranger. Je vous assure que je lui ai parlé le jour où il venait de rentrer. L'énergie que le petit avait.
Oh oui, Madame Jocelyne, je vais faire dans ça, je vais faire ça. Waouh, franchement. Je le revois 3 semaines plus tard. Hey! Donc, a changé, il est devenu noir à nouveau. Oui, vraiment. 5 de mes chiens là, il y a un qui est tombé malade. Je me suis réveillé, 3 étaient morts. Un, il a agressé un enfant. Je l'ai amené à l'hôpital. On peut détester un enfant comme ça. Toute malédiction familiale dans laquelle vous vous retrouvez, sable mouvant familial, tu es enchaîné, tu fais n'importe quoi, tu avances un peu, tu avances d'un pas, tu recules de 4 pas. Je vous sors de tout trou familial dans lequel vous vous retrouvez sans savoir comment. Mettez la main sur vos yeux. J'ouvre vos yeux. Comme ta main touche le front en même temps. Je te délivre de tout insigne maléfique que l'ennemi a mis sur toi. Tout travail maléfique que ta grand-mère a mis sur toi. Il y a des familles, je me rends compte ce matin seulement. Le Seigneur me dit que, est-ce que tu sais qu'il y a des familles que ce sont vos propres mères qui vous ont fait du mal? Ce sont vos propres mères qui vous ont bloqué. Je vous libère des blocages. Je vous libère. Toutes les portes que vous aviez, que l'ennemi est venu la fermer. Je remets ces portes-là devant vous au nom de Jésus et je les ouvre. Les opportunités qui ont été prises. Parfois, on te donne une bourse. Ta mère dit non, tu n'es pas parti, tu es trop jeune. Gna, gna, gna. Ta mère te bloque. Te voilà, tu as 35 ans. Opportunité passée. Plus jamais. La personne devait te prendre aux États-Unis. Tac, bourse scolaire. Éternel, je viens plaider pour chacun de tes enfants ici. Je déclare que vos enfants même ne vont plus souffrir. Vous ne serez pas un blocage pour vos enfants. Vous allez prier pour vos enfants. Je délivre vos enfants de tout blocage au nom de Jésus. Je vous ai parlé de mes livres. Mon cahier de vision. J'en parle chaque fois. Donc ces livres seront imprimés. Dans 2 semaines, ils seront prêts. Précommandez les vôtres, je vous en prie. Vous ne devez pas être une maman méchante sur vos enfants. Je vous libère de toute malédiction familiale. Là où tu es là comme ça, tu es bloqué dans certaines choses parce que ta mère, c'est ta mère t'insultait souvent jusqu'à. Eh, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Regarde-toi comment tu es grosse. Eh, vraiment, regarde-toi. Parfois, quand ta mère trouve un mec comme ça, là, elle t'oublie. Elle t'abandonne même pendant 3 mois. Parfois, le mari de ta mère te fait des attouchements, des trucs bizarres. Tu n'arrives pas. Tu dis à ta mère, ne te crois pas. Tout ce que votre mère a fait dans votre. Donc, tout ce qu'elle a fait sur votre vie. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir de cela. Je vous guéris au nom de Jésus. Je vous guéris au nom de Jésus. Je vous guéris au nom de Jésus. Je vous guéris. Je guéris ton cœur. Je déclare que tu libères, tu pardonnes cette femme. Je reviens remettre une vision nouvelle dans ton cœur. Une vision nouvelle pour ta propre vie. Je remets une vision nouvelle pour ta propre vie au nom de Jésus. Ta vie ne ressemblera en rien de négatif à la vie de ta mère. Papa Yahweh, je viens panser le cœur de tes enfants. Je panse leurs blessures. Je déclare la faveur sur vous. Partout où vous allez, vous avez la faveur. Yéniclo, je viens te bénir. Ne te prends pas pour une petite fille. Mettez-moi vos prénoms ici, là. Mais ne te prends pas pour une petite fille. Ne mettez pas le prénom de quelqu'un. Celui qui va oser mettre le prénom de quelqu'un ici, là, il va voir. Tu mets le prénom de quelqu'un d'autre ici, là, je lance à ta propre malédiction sur toi-même que tu as pris. Arrête, aimé, je prie sur toi. Si tu as un truc particulier que tu veux qu'il prie pour toi, tu écris ton prénom et tu mets la chose. Voilà. Léontine, je déclare que ton business renaît. Je bénis tes mains. Si tu travailles avec les mains, tu dis tes mains. Je bénis tes mains. J'appelle tes clients à toi au nom de Jésus. Fabrice Blandine, je déclare que tout ce que tu fais, qui est fait qu'on ne te voit pas depuis, j'ouvre, tu t'ouvres maintenant sur les réseaux sociaux, à l'international au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué soit ouvert au nom de Jésus. Laetitia, je viens faire renaître ta vie de prière. Je te fortifie. J'enlève le manque de confiance en toi, Laetitia. Vanessa, je viens ouvrir. J'enlève le voile sur ton visage. Que tes clients te voient et qu'on te paye encore plus qu'avant. Au nom de Jésus. J'ouvre ta bouche pour que tu puisses parler, Noëlla. Tu es censé motiver les gens, Noëlla. Je bénis tes mains, je bénis ta parole. Je déclare que les personnes que tu formes, tu les motives en même temps. Je déclare que tu les coaches.
Tu dois faire dans le coaching, Noëlla. Geneviève, je te fortifie, je te restaure. J'enlève les découragements. Tous les échecs du passé, je les enlève. Marie-Noël, je déclare que quand tu parles, tous tes produits sont vus. Tout ce que tu vends, les personnes achètent au nom puissant de Jésus. Je te restaure, je te libère. Camille Gaël, je prie pour ton fils aîné. Je déclare sur lui la restauration. Je bénis ton ventre, tous ces pans que tu as dans le ventre qui te bloquent et qui attendent de bloquer tes enfants. Je coupe cela, je coupe les cordes au nom de Jésus. Je dois laver cet enfant et toi tu prends le kit fondation Gaël. Fondation pour ton ventre. Ghislaine, je blocage c'est quoi? Vous ne connaissez pas. Je ne vous ai pas appris à prier ici là. Georgina, je te libère, je libère ton ventre de tout blocage. Tout ce que tu as mangé, tout parfum, poison spirituel qu'on t'a donné dans la nuit, je te libère de cela. Sandra William, je te bénis. Ebenezer, je te fortifie. Je viens ouvrir ton image sur les réseaux sociaux. Ebenezer, fais les vêtements, tu vends, tu portes, tu te filmes, tu vends, les gens vont aimer. Joanne, je te bénis, je te fortifie. Je viens enlever toute ma bataille de pensée sur toi au nom de Jésus. Je déclare que ta vie spirituelle reprend. Si j'ai prié pour vous, n'écrivez plus. Ta vie spirituelle reprend, Eve. Yvonne, je te fortifie. Je déclare sur toi que tu es appelé à prêcher ou à prier pour les gens, Yvonne. Je restaure tes dons spirituels. J'enlève les découragements. Si j'étais dans une église, on t'a découragé. J'enlève les découragements. Alette, je te fortifie. Alette, je déclare que tu ne manqueras pas. Glenn, je déclare ton voyage, tu vas voyager au nom puissant de Jésus. Léonce Pélagie, je déclare la paix dans ton ménage. Je chasse toute troisième personne. Je chasse tout esprit de déstabilisation. Prenez les poudres maison hantée. J'ai les produits pour ça. Le tout, c'est que vous priez seulement, vous laissez, vous ne faites rien d'autre. Celle qui demande la salvation dans son foyer là, prends un kit de déblocage, tu fais 3 jours de jeûne. Il y a une malédiction générationnelle qui est en train de venir pour te bloquer par rapport à ton mariage. Et je vois aussi les attaques extérieures. Jalousie. Kevin, j'ouvre tes portes financières pour que tes business avancent. Quand tu dis ouverture des portes, quelles portes? Vous savez que les portes ont les noms, hein? Arrêtez de prier comme des idiots, s'il vous plaît. Je ne vous insulte pas, mais ne priez pas comme quelqu'un. Vous devez être conscient des trucs de l'ennemi. Beware of the tools of the enemy. Jansika, je viens te bénir. Je déclare que tu ne te simplifies pas. Je viens ouvrir, que tu puisses vendre. Je vois que il y a des business que tu veux faire. Tu penses que ton ventre aussi, il y a des trucs malédictions générationnelles dans ton ventre. Prends le kit fondation. Il y a des choses que ta mère t'a passé, ça te bloque. Et tu as des business que tu veux faire, mais tu te simplifies. Victoire, je déclare que tu as la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Régine, je te fortifie. J'enlève le découragement, j'enlève le voile sur ton visage. Je débloque ton business, Joyce, au nom puissant de Jésus. Yvette, je te fortifie. Yvette, je déclare que tu ne te décourages pas. Tu ne te vois plus comme une petite femme. Simone, j'enlève le découragement et le manque financier sur toi. Virginie, je te restaure. Je déclare, Christelle, que ta vente en ligne se passe bien. Au nom de Jésus. Fanny, je déclare que tu trouves le boulot et que toi-même tu crées d'autres sources de revenus. Au nom de Jésus. Nana Michel, je déclare sur toi la restauration. J'ouvre tes portes, je déclare que tu as la faveur. Bandestage, Jaël, je déclare sur toi la restauration. Toute bataille, toute personne qui vide ton énergie autour de toi, Bandestage, je déclare que tu t'éloignes de ces environnements. Axel, je déclare que tu reprends. Prends l'huile de blindage, Axel, je ne sais pas dans quel pays tu es. Tu mets derrière ta tête, tu es loin souvent sur ton visage. Toute malédiction générationnelle, les blocages familiaux qui empêchent que tu n'avances dans l'école, j'enlève au nom de Jésus. Joyce Inès, je te déclare que restaurer. Je déclare que tu enfantes au nom puissant de Jésus. Celle qui a écrit mon enfantement là, reçois ton bébé, mets la main sur le ventre. Je vous ai dit que je vais faire les dédications d'enfants le 1er août. Donc si vous avez un enfant, vous avez la vie de doigt là, on va dédier les enfants. On va dédier les enfants. Et ceux qui veulent le fruit de ceux qui veulent accoucher aussi, je vais prier pour vos conceptions. Au nom de Jésus, je viens vous restaurer. Chérie, là, je restaure ton mariage. Chérie, là, on t'a dit que l'homme là va te bloquer, mais tu continues d'espérer. Ce n'est pas ton mariage qui doit être restauré, hein, en passant. Je déclare la discipline sur toi, Samuel. Samuel, tu as peur, tu n'aimes pas agir. Quand tu fais les choses, tu as peur. Tu n'aimes pas dépenser l'argent pour faire quelque chose. Pourquoi? Maria, je viens mettre l'abondance financière sur toi. Nathalie, j'enlève les menottes spirituelles sur toi au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je déclare que les noms qui sont en train d'écrire, d'être écrits. Adélaïde, je déclare que tu ne te décourages plus. Je déclare que tu ne te décourages plus. Je vois comment tu te soulèves la tête. J'élargis ta vision, Adélaïde, au nom de Jésus. Mireille Flore, je te restaure. Je déclare sur toi la restauration, la force. Marjolaine, je déclare que tes mains sont bénies. Tout ce que tu touches va prospérer. Tout ce que tu touches se transforme en or. Yvette, je viens restaurer ton image de toi. Tu dois changer ta garde-robe, Yvette. Je vois comment le Seigneur change ta peau carrément va changer même. Je viens te restaurer. Je déclare, Yvette, tu dois faire une formation pour le coaching. Tu dois coacher les gens. Je fais que te dis ça tout le temps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens te prier pour Louise Janine. Je déclare sur elle la restauration. Je déclare, Père Saint, qu'elle sort de l'immobilisation. Louise Janine, c'est comme si tu n'utilises pas le sel pour te laver. Tu n'utilises pas de produit. Je vois, tu as un visage couvert. Il y a aussi le savon de visage.
ceux qui ont les voiles sur le visage là, vous prenez ça. Je déclare sur vous, c'est dans le kit attirance. C'est pour ça que souvent quand on fait le kit attirance, on va parfois trop vous draguer, des choses comme ça là. Mais c'est pas ça le but, que tu sois dragué forcément, non. Joséline, je viens de prier pour ton déblocage. Je débloque, tu débloques quoi? Tu es mon homonyme, tu viens, tu pries comme si tu... On débloque quoi? Déblocage de quoi? Je déclare que ton titre de séjour est délivré, Bernadette. Je déclare sur toi que tout titre de séjour que tu avais, qui a été bloqué, je viens m'accorder près de 3 jours de jeûne, Bernadette. Prends le kit de déblocage. Prends le kit de déblocage. Les kits que je fais, ce n'est pas pour le hasard. Vous tapez 8 ans, vous êtes bloqué. Alors que tu aurais pu sortir 80 euros pour acheter un kit. Parfois, les gens ont dit que tu arrives en Europe, tu ne vas plus avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-là, c'est comme si elle, tu ne pries pas. Je ne sais pas pourquoi tu me fais. C'est comme si on te parle, tu ne comprends pas. Oh. Pour ton titre de séjour, il faut faire ça. Éternel, je te prie pour James, je viens le bénir. Jacqueline, je déclare que Jacqueline n'attend pas seulement le boulot, mais elle crée du boulot au nom puissant de Jésus. Doris, je déclare que tu apprends des capacités qui vont te permettre, même quand tu vas voyager, je libère ton visa, de pouvoir t'en sortir financièrement là où tu vas partir. Grâce, je viens te fortifier. J'enlève les découragements sur toi. Olivier, je restaure tes idées. Je déclare que tes business augmentent. Olivier, tu dois proposer des services plus élevés. Tu as les petits agents que tu déclos. On veut que tu augmentes la capacité du business que tu fais. Monsieur Hugues, je viens te fortifier. Tu es un lion dans ta famille. Et bien sûr, je n'ai jamais travaillé sur toi parce que tu me fuis. Vous venez à me dire comme ça là. Hugues, tu as l'esprit du lion. Tu es très fort dans ta famille. Tu devais déjà avoir construit beaucoup de maisons. Mais tu es bloqué dans ta famille. Je viens te débloquer, Hugues, au nom puissant de Jésus. Écoutez, il y en a parmi vous que c'est pas seulement ma parole qui va vous libérer. Parce que vous devez ajouter à ça un travail spirituel. Nadine, je te fortifie. Je déclare, tu es censé voyager, Nadine. J'enlève la limitation géographique sur toi, au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je viens te prier pour Marie-Cécile. Je déclare qu'elle va trouver un nouveau boulot et elle va enfanter au nom puissant de Jésus. Vanessa, je déclare, ton voyage est débloqué. Tes voyages sont débloqués au nom puissant de Jésus. Franklin, je te libère. Sandra, je te libère. Franceline, grâce, je te libère. Grâce, n'envoyez pas les messages deux fois. Si j'ai à prononcer votre nom. Gloria, j'enlève, tu dois déménager de là où tu es, Gloria. Je t'enlève de tout environnement malsain dans lequel tu es. Je viens de déclarer sur toi, Ingrid, la restauration. Toi qui as dit Amen. Patrick, je te fortifie. Je déclare le tout. Tu vas trouver le boulot avec les capacités de ce que tu as appris à l'école. Je viens augmenter même ton salaire. Mylène, je déclare sur toi la force. Je restaure ton esprit. Jethro, je déclare. Tu dois écrire des livres, Jethro. Il y a des personnes qui doivent te suivre, Jethro. Pourquoi tu ne mets pas du contenu en ligne? Seigneur, je viens restaurer Jethro. Je restaure sa vision. Toute personne qui a voulu le décourager, qui ne se décourage plus au nom puissant de Jésus. Julie, je te restaure. Pascaline, je te restaure. Le mois passé, surpassé, il y avait un atelier pour... comment se lancer sur les réseaux sociaux. Donc il y a des personnes ici là que vous devez prendre le... J'ai enregistré je pense. Donc vous devez le acheter cet atelier là. Vous écrivez, vous dites que je veux l'atelier sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous pleurez que vous n'avez pas de revenus alors qu'il y a les dons en vous que Dieu a déjà mis. Mais quand vous doutez de vous, vous ne les utilisez pas. Voilà. Félicien, je déclare, reçois ton titre de séjour. Reçois ton titre de séjour au nom puissant de Jésus. Olga, je te restaure. Joël, je te restaure. Aminata, je te bénis, je te purifie. Anne, je déclare que tu... La jalousie, j'enlève la jalousie. Anne, prends le kit fondation et le kit attirance. Anne. Tu es censé être vu sur les réseaux sociaux, tu es censé avoir beaucoup de followers, mais ta famille t'a bloqué. Jalousie, parce que tu es très belle. Donc, Lune, je déclare que tes études avancent au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes études avancent au nom de Jésus. Nathalie, je restaure tes idées, je restaure ton business, je restaure tes projets. Papa Yahweh, je déclare que Miss Pan ne manquera pas. Miss Pan, écris puis ton nom. J'ai à prier pour toi. Je viens bénir Miss Pan au nom puissant de Jésus. Godivia, je viens te purifier. Claudette, je te purifie. Chanel, je déclare que tu ne te décourages plus. Tu n'es pas une petite, tu ne te vois pas comme une petite personne. Je viens de développer vos dons au nom puissant de Jésus. Angèle, je déclare que tu reçois tes voyages au nom puissant de Jésus. Joachim, je viens te bénir. J'enlève toute bataille mentale. Mets-lui de blindage sur son front, s'il te plaît. Joachim, j'enlève toute bataille mentale. Et aussi son troisième œil est en train de s'ouvrir. Dis-lui qu'il est en train de. Son troisième œil est en train de s'ouvrir. J'ai commencé à travailler sur lui. Son troisième œil est en train de s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus. Voilà, tu vois. Voilà la carte que je trouve pour lui. Son ADN est en train de se restaurer. Rosiane, je viens je prie pour toi. Je déclare que tout ce que tu fais dans le cosmétique, les gens achètent au nom puissant de Jésus. Denise Mireille, je te couronne. Toute couronne qu'on t'a volée, toute gloire qu'on t'a volée, je te la restaure. Nadine Yolande, je te bénis. Nadine Yolande, tu as déjà mis ton nom ici, non? Je me rappelle, j'ai parlé de toi ici, Nadine Yolande. Ne mettez pas vos noms deux fois. Je vous donne un dernier avertissement. Si j'ai prononcé ton nom, tu as reçu quelque chose. Ne mets plus ton nom.
Marie Sidoine, je te bénis, je mets la faveur sur toi, Marie Sidoine. Tu dois prendre un kit de déblocage, Marie Sidoine. Tes produits, tu vends des choses et ça ne se vend pas. Tu es censé vendre beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, Marie Sidoine. Je viens te bénir, Nathalie. J'enlève le découragement sur toi. Tout ce qui est dans ton oesophage qui te bloque, j'enlève la glaire sur toi au nom puissant de Jésus. Assita, je te restaure. Je te bénis. Anita, j'ouvre tes portes. Je déclare sur toi la restauration. Djemila, je déclare que tes études, tu les reprends. Crée une source de revenus à côté, Djemila. Tu es censé avoir beaucoup d'argent, pas à la fin de tes études, mais maintenant. Larissa, je déclare sur toi que tu n'es plus déçu par tes relations. J'ouvre tes portes. Je te restaure. J'ouvre tes idées aussi. Estelle, je déclare sur toi la restauration. Gisèle, je viens te fortifier. Dolores, j'enlève le découragement. Que tes concepts que tu as créés, que pour l'instant tu ne vends pas, que tu puisses vendre. Ézéchiel, je viens t'ouvrir les portes. Ézéchiel, tu es un homme très spirituel. Développe encore plus ta spiritualité. Fais des publications spirituelles. Vicky, je viens ouvrir tes portes. Cécile, je te restaure. Elisabeth, je déclare que tu n'es pas découragée. Elisabeth, arrête de suivre les gens sur les réseaux sociaux. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois faire ce qui est unique à toi. Gildas, je viens te restaurer. Gildas, tu dois vendre des vêtements, habiller les gens, faire dans le relooking. Lucia, je viens ouvrir tes idées. J'enlève le découragement sur toi. Awa 36, ça c'est pas un nom. Arrêtez un peu ça, arrêtez s'il vous plaît. Madrine, je viens te restaurer. Le principe est le suivant, tu mets ton nom à toi. Ne mets pas le nom de quelqu'un d'autre. Si tu viens ici là pour me le nom de quelqu'un me tenter, je retourne cela sur toi au nom de Jésus. Si tu as mis ton nom, j'ai appris pour toi. Ne remets pas ton nom une autre fois. Voilà. Jean-Marc, je viens restaurer tes business, tes activités. Tu es un homme d'affaires très puissant, mais encore caché, très bloqué. Tu as sûrement été élevé, après tu es tombé. Donc, si tu me contactes dans les messages, je ne vais même pas voir. Donc, prends le numéro là-bas, tu écris, tu dis à ma secrétaire que je peux te faire un lavage à distance. Valex, je viens te fortifier au nom puissant de Jésus. Steve, je te restaure. Johanna, j'ouvre tes portes. Mathilda, je déclare que tu as confiance en toi. Nestor, je te restaure et je te fortifie. Marie-Josée, j'ouvre tes portes. Je déclare que tu as commencé, Marie-Josée, tu étais arrêtée. Quand t'as attaqué, tu as un peu chuté. Je déclare que tu reprends. Prends le kit fondation, le kit déblocage. Cette dame-là, j'ai oublié ton prénom. Kéline Armel, je viens te restaurer. J'enlève le découragement et la pauvreté sur toi. Thierry, je déclare sur toi que tes activités, je ne sais pas si tu fais dans le champ ou bien, je viens restaurer cela, que ça marche. Prends, il y a des poudres. Donne-moi la poudre Saint-Michel pour verser ça là où tu te fais ton agriculture. Achetez la poudre Saint-Michel pour verser dans votre lieu d'activité, je vous en prie. Demandez quand vous arrivez dans mon local, poudre Saint-Michel. Et vous prenez aussi le sel maison hantée. Ça va vous aider. Vous versez ça là-bas parce qu'il y a des... Écoutez, quand on vient vous bloquer, quand on vient physiquement vous bloquer, il y a des gens qui viennent, ils font comme s'ils viennent voir ton local, mais ils versent les choses. Tu ne vois pas. Ils lancent quelque chose, ils partent. Ok. Kathleen, je viens te restaurer, je te fortifie. Stéphanie, j'ouvre tes portes. Marie, félicité, je déclare sur toi la restauration. J'enlève le découragement, tu as beaucoup d'attaques mentales. Je déclare sur toi, Stéphanie Fogain, que tu ne te décourages pas. Tu reprends tes prières, tu reprends tes jeûnes, tu reprends tes lavages. Filienne, je te fortifie, je te restaure. Rivière, je déclare sur toi la restauration de tes idées. Cynthia, je déclare que tu ne manqueras pas. Je t'enlève de tout manque. Je déclare qu'on ne va pas te faire du chantage. Je crois qu'il y a peut-être un homme dans ta vie qui va te faire du chantage pour t'aider financièrement. Lily, j'ouvre tes portes. Pierrella, je déclare que tu ne manqueras pas. Prisca, je viens ouvrir encore plus tes opportunités. Solim, je déclare que tout ce que le Seigneur t'a montré, tu vas réaliser. Je vois la peur, tu as peur de te lancer. Angèle Louise, je déclare sur toi la restauration de tes dons. Yeni, je crois que tu as déjà mis ton nom, Yeni. Faites attention. Louise, j'ouvre tes portes. Solim, Simone, si vous continuez de mettre vos noms deux fois, je vais arrêter. Je ne blague pas, absolument. Ok? Dave, je prie pour ta restauration. Noëlla, je restaure encore plus tes dons au nom de Jésus. Suzanne, j'ouvre tes portes. Hélène Smith, je déclare que tu n'es plus découragée. Hélène Smith, je déclare que ton don de vision s'ouvre. Tu es très créative. Je restaure ta créativité, je restaure ton esprit au nom de Jésus. Marie-Julienne, je déclare sur toi la paix, l'accélération. Maëlys, pardon, James. Voilà, je déclare tes dons, tes mains s'ouvrent pour que tu puisses recevoir l'argent et offrir des services qui vont coûter beaucoup d'argent. Tu dois faire dans le luxe, Maëlys James, fais dans les produits de luxe. Judith, je te restaure. Mbarga, j'ouvre tes portes. Lucrèce Ngou, je déclare sur toi la restauration, la force. Maïva, j'enlève le découragement. Thierry, tu as commencé quelque chose, après tu as arrêté. Je vois un peu comme tu as freiné un moment. Je te sors de tout sable mouvant qui a fait que tu abandonnes certaines activités. Au nom de Jésus. Florent, Florent, tu as une boule d'énergie. C'est là que tu es censé apporter au monde entier. Mais tu as beaucoup de nuits noires de l'âme. Dans des périodes où tu sens beaucoup d'attaques mentales. Je te sors de ces attaques mentales. Mettez la main sur la tête. Je déclare que tout ce que l'ennemi a prévu pour vous faire du mal, selon Genèse chapitre 50, verset 20, je déclare que le Seigneur l'utilise pour sauver des vies. Au nom de Jésus. Je vous reste.
restaure, je vous restaure, je vous restaure, je vous restaure, je vous restaure. Inspirez avec moi, inspirez, inspirez. Mettez la main sur la poitrine, expirez. Inspirez à nouveau. Père Très-Saint, je l'ai rempli de force et de courage. Je m'accorde maintenant, parce que souvent vous voyez sur les dessins, Jésus a un cœur en feu. Je viens mettre, je accepte your heart on fire. Je viens mettre du feu à votre cœur. Je déclare que ce cœur prend feu. Et je déclare que la passion que vous aviez, vous la reprenez. Ok, on va inspirer, on va retirer maintenant les découragements. Inspirez à nouveau. Je vous mets la force, je fortifie votre cœur. Quand vous allez expirer, expirez par la bouche lentement. J'enlève les peurs, j'enlève les découragements. Tu as vu un post, quelqu'un a commenté ton statut, ça t'a découragé. Je déclare que le découragement, Marvin, il faut que je travaille sur Marvin, Yvette, rappelle-moi. J'ai beaucoup travaillé sur ses deux grands frères, mais pas sur lui. Je dois travailler sur Marvin, rappelle-moi ça. Ok, je déclare que tous les découragements que vous avez subis, toutes les flèches, je sens quelqu'un ici là que tu as commencé un truc, tu as posté deux, trois vidéos, quelqu'un est venu te décourager. Ce que la personne a dit, c'est comme une flèche qui est entrée dans ton cœur. Inspire encore. Oh, je viens de dissoudre tout découragement et toute peur. Parfois, tu commences une vidéo, l'ennemi te fait voir quelqu'un qui parle mieux que toi, ça te décourage. J'enlève les découragements au nom de Jésus. Arrêtez de crier, inspirez, s'il vous plaît. Parce qu'on est 286 sur ici. Là-bas, on est 85. Je ne pourrais pas prendre tout le monde maintenant. Mais ce que je suis en train de faire, ça va aider tout le monde. Donc, inspirez avec moi. Je recharge votre cœur. Je vous remets encore le courage. Je déclare que tu peux encore ouvrir le magasin là. Je déclare que tu reprends tes postes. Je déclare que tu remets tes produits en vente au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que tes fournisseurs te répondent finalement. Je déclare que tu trouves le produit là à bon prix. Je déclare, il y a quelqu'un ici là, tu n'arrivais pas à mettre les prix élevés sur tes produits. Pourtant, tu achètes cher, mais tu n'arrives pas à vendre cher. Et du coup, tu te dis, ah, j'aide les gens, ça peut aider. Le Seigneur me dit, te dit d'arrêter cela. Je déclare que tu n'as plus peur de mettre tes produits à bon prix en vente au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un ici là, tu aimes faire les produits de qualité, mais tu te dis, ah, si j'achète cher, je vends cher, les gens ne vont pas acheter. Le Seigneur me dit de te dire de revenir. Que le Seigneur t'a appelé à faire des produits de luxe, des produits qui coûtent cher pour restaurer les gens. Que tu parles dans tes vidéos pour montrer aux gens comment l'utilisation ou bien l'utilité de tes produits. Ok, que tu parles de la bonté de tes produits. Ok, je vous déclare que tu ne vas pas t'aligner avec le mal ou ce que l'éternel fait de mauvais pour de ce que l'ennemi fait de mauvais, pardon. Sorry God. Ok, tu ne vas pas t'aligner avec ce que l'ennemi fait de mauvais parce que je vois ici quelqu'un, tu as peut-être compromis tes produits parce que tu voulais vendre moins cher et tu sais que ce ne sera pas bon pour la santé de tes acheteurs. Donc je restaure ta balance, que ta balance soit juste au nom puissant de Jésus. On ne supplie pas ici, je vais te bloquer. Le tout c'est que vous m'énervez sur TikTok parce que vous n'aimez pas, vous aimez tout qu'on vous prenne, vous. J'ai 230 000 abonnés, tu penses vraiment que je peux avoir le temps pour tout le monde? Ce matin, j'ai mis trois prières. Tu vas l'écouter, tu ne vas pas accepter. Et on sait que vous faites, vous êtes bloqué vous-même. Je ne viens pas me pêcher pour vous. Vous ne méritez pas ma colère. Quittez là-bas. Je ne vais pas vous lire pendant 5 minutes. Sandrine, je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Sandrine, je déclare que tu es restauré et tu es fortifié. Je déclare que tu lances ta ligne de vêtements au nom puissant de Jésus. Vous avez une des lignes, vous avez des idées majestueuses. Il y a une personne, si tu veux faire des vêtements royaux carrément, des robes, des trucs que quand une femme va porter, elle va arriver quelque part, on va la voir, on va dire waouh. Je restaure tes idées au nom de Jésus. Je déclare que tu vas trouver les bons tailleurs, les bons au nom puissant de Jésus, les bons designs. Je vois une personne, si tu as la capacité de faire de bons designs. Joël, on ne vient pas se plaindre ici, monsieur Joël. On dit Seigneur, telle chose ne va pas, Seigneur, restaure ceci dans ma vie. Quittez avec vos problèmes. Je n'ai que faire de vos problèmes. Je m'accorde avec vous sur ce que vous demandez. Voilà. Donc, Fatou, je déclare sur toi la restauration. Mettez la main sur le ventre. J'enlève toute boule que l'ennemi a déposée dans votre ventre. Je fais dissoudre. Dieu me dit de vous dire que vos bloqueurs, là, vos démons là me connaissent. Ils me connaissent. Vous me suivez bien. Je déclare que tout serpent qui a été mis dans ton ventre pour te bloquer se dissout à cet instant au nom de Jésus. Tout blocage qui fait que tu restes, tu as faim, à 5 heures tu as déjà faim. J'enlève la famine de ton corps au nom de Jésus. Je déclare que tu peux te discipliner à partir d'aujourd'hui. Je déclare que tu te disciplines pour jeûner les jours que tu as prévu de jeûner au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je viens fortifier tes enfants ici. Je déclare qu'aucune âme forgée contre eux ne peut prospérer. Seigneur Jésus, je déclare qu'ils ne se décourageront pas. Je déclare, Papa Yahweh, qu'ils se connectent à toi. Ils ont confiance en eux. Toute peur qui a été mise dans votre ventre, je dissous cette peur, je déclare que ça sort au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je viens fortifier tes enfants. Okay. Hermine, je te bénis. Erika, je te bénis, je te fortifie. Anaël, je déclare que tu ne manqueras pas.
Félicité. Je viens t'encourager que tu gères. Félicité. Il y a une personne ici, il n'y a pas félicité. Il y a des personnes ici là. Vous travaillez pour le moment pour quelqu'un et vous avez pour rêve d'ouvrir la même structure que cette personne. On me dit de vous dire de servir correctement cette personne-là. Servez bien cette personne. Avec fidélité. Et ne soyez pas pressé. Parce que parfois tu dis que je vais quitter les parties, faire ma part. On te dit arrête de te presser. On ne fait pas comme ça. Tu veux la restauration de quoi? Vous connaissez pas prier? Hmm? Je vais vous lire un passage biblique que vous pouvez souvent utiliser pour vos prières. Vous allez répéter après moi. Ceux qui ne veulent pas répéter parce que vous attendez que je lise seulement votre nom, bien, vous pouvez partir. Ok? J'aime vous apprendre à prier. Si vous ne voulez pas apprendre à prier, vous pouvez partir. Merci. Bon, je lance le truc. Répétez après moi. Je vais vous montrer un exemple de prière. Voilà comment on prie. Éternel des armées, répétez après moi. Mon Dieu, parce que j'observe et je mets en pratique tes commandements. Je lis Deutéronome 28, versets 1 à 14. Éternel, voici les bénédictions qui se répandent sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 40e, le 23, le 24 ou le 25. Je déclare, Seigneur, aujourd'hui, que j'obéis à ta voix. Éternel des armées, je déclare que je suis béni dans la ville de... Donnez votre ville. Je suis béni dans la ville de Libreville. Je suis à Libreville actuellement. Je déclare, Père très saint, que le fruit de mon troupeau, mes enfants sont bénis, mes comptes bancaires sont bénis. Je déclare que mes entreprises, prononcez le nom de vos entreprises, est béni. Ok, nous sommes le 25, merci Maëlys. Je déclare que ma corbeille, mon compte d'épargne, mon argent que j'ai mis en bas de mon matelas est béni. Je déclare que je suis béni quand j'entre quelque part et que je suis béni quand je sors. Je reçois la victoire sur tout ennemi qui s'élève contre moi. Toute personne qui va sortir contre moi aujourd'hui par un chemin va s'enfuir devant moi par sept chemins. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi aujourd'hui dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. The Gift Digger Academy, c'est mon entreprise principale. Je déclare que je suis béni. Je suis pour l'Éternel un peuple saint parce que j'observe ses commandements aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les peuples voient que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craignent. C'est comme ça qu'on prie. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que je suis comblé de biens. Je déclare que mes enfants sont multipliés. Je déclare que mes business sont multipliés. Je déclare que mon bon trésor est ouvert, Seigneur. Je déclare que tu envoies et je reçois aujourd'hui la pluie en son temps. Et je déclare que ce temps, c'est maintenant. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prête à beaucoup de nations et ils me remettent avec intérêt et à temps au nom de Jésus. Je déclare que j'observe les commandements de l'Éternel. Je n'emprunterai pas d'argent au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'ai en abondance pour faire tout ce dont j'ai besoin au nom de Jésus. J'appelle mon argent des quatre coins de la terre. Je déclare que cet argent me localise aujourd'hui. Tout financeur, je déclare que s'ils arrivent, ils veulent me financer. Je déclare que ça se fait selon la volonté de Dieu. Je ne me compromettrai pas aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je ne compromettrai pas mes valeurs au nom puissant de Jésus. C'est comme ça qu'on prie. Donc, ceux qui sont là, vous répétez. Ok. Éternel des armées, je déclare que j'observe et je mets en pratique tous tes commandements aujourd'hui. Je reçois la grâce pour observer tes commandements au nom de Jésus. Je déclare que je ne m'éloignerai de tes commandements ni à gauche ni à droite. Je ne me détournerai de ces commandements ni à gauche ni à droite au nom puissant de Jésus. Je me fortifie. Ta poitrine brûle. Ça veut dire qu'il y a sûrement des trucs dans ta poitrine qui n'étaient pas bons. Je me fortifie. Déclarer, je me fortifie en l'Éternel. Je me fortifie en l'Éternel. Seigneur, je déclare que je me fortifie en toi. On continue. L'autre passage, vous pouvez lire Josué chapitre 1. Je crois qu'on est mercredi. On jeûne tous les mercredis. Ok? On jeûne aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent être dans le groupe, vous écrivez, vous dites que vous voulez être dans le groupe de jeûne et prière. Ok. Écrivez en inbox, s'il vous plaît. Pas dans les commentaires. Je ne peux pas vous donner le truc dans les commentaires. Éternel des armées, répétez après moi. Seigneur, je déclare que tu seras toujours avec moi, selon Josué chapitre 1, verset 2.
Je me lève et je traverse mon Jourdain aujourd'hui. Je déclare que tout lieu que je foulerai de mes pieds, je le prends en possession. On est mardi. On est mardi. Oh my God. On va jeûner demain. Merci. Je crois que je suis dans un espace temporel divin. J'ai perdu toute notion du temps. On jeûne demain. Donc, demain, ceux qui veulent être dans le groupe de jeûne, vous envoyez le message inbox. Merci. Ça veut dire que je peux manger aujourd'hui. J'avais déjà condamné mon esprit pour ne pas manger. Ok. Je déclare aujourd'hui que le territoire que le Seigneur a prévu pour moi, je le prends en possession. Tout homme fort qui était sur mon territoire, répétez après moi, tout homme fort qui était sur mon territoire, je le chasse aujourd'hui et je reprends cet endroit au nom de Jésus. Parfois, tu commences un business, quelqu'un vient et prend. On te chasse même de ce business. Parfois, tu loues un local, on vient, tu ne peux pas payer le loyer un mois, deux mois, on prend, on te chasse. Donc voilà. Je me fortifie et je prends courage. J'agis fidèlement selon la loi que Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a prescrite. Je ne me détourne ni à droite ni à gauche. Je déclare, selon Josué chapitre 1, verset 5, que moi, Jocelyne, nul ne tiendra devant moi aujourd'hui. Tant que moi je suis en vie, nul ne tiendra devant moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur ne me délaissera jamais. Aujourd'hui, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Aujourd'hui, le Seigneur est avec moi. Je me fortifie et je prends courage. Je me fortifie et je prends courage. On dit trois fois. Je me fortifie et je prends courage. Allez-y. Je me lève de ce lit. Je vous commande de vous lever de ce lit. De ce lit de maladie, de ce lit de dépression, de ce lit de mort au nom puissant de Jésus. Je déclare que la parole ne s'éloignera pas de votre bouche. Mais vous allez méditer là-dessus. Je déclare que vos pensées ne sont pas remplies avec les vidéos de TikTok, mais vos pensées sont remplies avec la parole de Dieu, au nom de Jésus. Je déclare, je vous donne ce commandement et je vous commande de vous lever. Levez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous. Ne vous effrayez point. Ne vous épouvantez pas. Toute personne qui a voulu vous faire peur, j'enlève la peur de votre esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Je déclare que vous êtes capable de prendre en possession cette terre que le Seigneur vous a donnée. Je déclare que vous êtes capable de prendre en possession cette terre que le Seigneur vous a donnée. J'ai lu Josué chapitre 1. Avant ça, j'ai lu Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Donc on va lire un dernier. Et vous allez répéter après moi, bien sûr. Parce que vous êtes de bons enfants. You good kids. You good kids, you know. You good. You good. You good. You good. Quand je me mets ici pour faire ma vidéo, je fais comme ça vient. Hein. Ok? Je fais comme ça sort. Voilà. Ne me mettez pas dans une case ni une boîte. Je ne vais pas vous dire qu'il va faire le direct. La prochaine fois qu'il fait le direct, il va faire le direct, ce sera à 10h ou bien. Psaume 1. On parle avec moi. Répétez. Moi, je suis heureuse. Parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne suis pas le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs. Toute personne dans votre compagnie, toute réunion dans laquelle vous êtes, toute association, tout groupe malsain dans lequel vous êtes, et vous ne savez pas comment faire pour sortir de là, je déclare que vous recevez la force. Tout endroit compromettant dans lequel vous êtes déjà ancré, vous ne savez pas comment vous allez faire pour sortir. Quand tu parles là-bas, your spirit is vexed. Tu te sens mal. Ils font des trucs qui ne sont pas bien. Ils tombent dans un groupe, ils sont en train de draguer les femmes des gens. Ils tombent leurs femmes en désordre. Ça te dérange. Je remets en toi la discipline. Je remets en toi la force de caractère. Je déclare que tu ne te compromets pas au nom de Jésus. Tu ne marches pas en présence des moqueurs. Tu ne marches pas en compagnie des moqueurs. Je vois ici quelqu'un qu'on t'a convaincu de tromper ta femme. Je déclare que tu brises cette relation-là aujourd'hui. Tu sors du mensonge au nom de Jésus. Je mets la pureté dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. J'enlève le mensonge de ton cœur au nom de Jésus. Tu étais comme ça là. Et tu as un appel de Dieu. Hein? Tu as appelé. Je viens rectifier. Je te remets. Je déclare que tu n'as plus rien à te reprocher. Au nom de Jésus. S'il y a des gens à qui tu dois, je déclare que tu les approches un à un et tu leur demandes comment tu peux t'arranger avec eux pour faire leur paiement. J'enlève tout ce qui est dans ton dans ta vie qui te fait te sentir mal, qui te met la peur. Parce que c'est ce que l'ennemi utilise contre vous.
Parfois, tu te retrouves dans une situation, tu es un peu là. Le mari de ta copine te drague. Tu te dis, ah. Ah. Te voilà. Je rectifie le tir. Tu arrêtes avec l'homme-là aujourd'hui. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Reçois la force pour arrêter. L'ennemi, le diable vous organise. Le diable vous connaît. Aïe, aïe, aïe. Il sait que non, l'homme-ci, là, il est trop intègre. Il faut qu'on compromette l'homme-ci. Maman, tu tombes sur une petite fille. Elle te drague. Elle te rentre dedans. Tu confirmes le code. Yay. Elle te rentre dedans à fond. Te voilà tant. Tu es dans une relation jusqu'à tout esprit de Jézabel qui t'a pris, toi, l'homme, que tu vas arrêter depuis, reçoit la force. Tout ce qu'elle a pris ton sperme pour faire avec, je détruis les incantations de cette femme. Je détruis, on ne vole pas le mari d'un homme. Tu viens t'asseoir à côté, tu veux être deuxième femme, tu te mets, mais tu ne touches pas le mari de quelqu'un, tu dis qu'il va quitter sa femme. Je viens fortifier les esprits des hommes ici-là. Je vous fortifie. Toute femme qui vous a envoûté, je vous sors de l'envoûtement au nom de Jésus. On n'envoûte pas un homme. Il te voit, tu lui plais. S'il veut te prendre deuxième ou troisième femme, ou partir faire des choses comme ça sur toi. Il y a aussi des femmes ici là, tu as commencé des trucs en cachette. L'homme avec lequel tu sais que vous n'êtes même pas censé. Vous n'êtes même pas censé. Voilà, chaque nuit vous êtes au téléphone. Je déclare que tu reçois la force pour arrêter ça. Parce que c'est ce que... Like, that's the hold that the enemy has on you. Ça, c'est comme la laisse que l'ennemi a sur ton cou pour te tenir. Je te retire des relations compromettantes. Tu sois avec l'ami de ton père, l'ami de ton gars. Ton gars à l'étranger, tu es là, tu sois avec ton ami. Je te libère de ça au nom de Jésus. Toute relation impure dans laquelle tu t'es engagé, je te libère, je restaure ton aura. Tu vois comme ce tissu est blanc. Je restaure ton âme. Je purifie ton âme au nom de Jésus. Je purifie ton âme au nom de Jésus. Je purifie ton âme au nom de Jésus. Je te purifie. Seigneur, tes enfants reviennent vers toi et demandent pardon. Ils demandent pardon, Seigneur. Parce qu'ils sont retrouvés dans des situations compromettantes. Père très saint, ils te demandent pardon. Ils reviennent vers toi dans la droiture, Seigneur. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Il y a une personne ici là que tu as couché avec un homme pendant longtemps pour qu'il te donne l'argent pour que tu lances ton business. Paye la dîme, fais une grosse offrande sur ce business. Tu demandes au Seigneur de purifier cet argent. Parce que c'est l'emprise que l'ennemi a sur toi. Je serai plus blanc que la neige. Abraham a dit que personne ne va dire que c'est moi qui ai fait Abraham. Je déclare que le Seigneur te montre les stratégies pour te faire de l'argent sans te compromettre au nom de Jésus. Je viens vous purifier. Cette femme-là, tu as compris? Fais une offrande pour purifier. Et n'aie pas honte. Parce que tu vas m'écrire, tu vas dire que wow, ça c'est l'offrande pour purifier mon business. Tu crois qu'elle va te juger. Chacun sait ce qu'il cherche. Chacun sait ce qu'il cherche. Là où tu es là, ça n'avance pas. Parce que il y a un esprit derrière l'argent de ton business. Je viens purifier ton cœur, ma chérie. Je vois une femme ici, là, tu profites des bonnes... Il y a le mari de quelqu'un qui te drague. Et parfois, tu sais qu'il ne donne pas les choses à ta femme, à sa femme, mais il vient te donner. J'enlève cet esprit de ton cœur qui fait que tu viens de prendre les choses de quelqu'un. Je déclare. Et je vois, moi, tu abuses, tu restes, tu dis, oh, viens me chercher à 22h, il vient. Oh, fais comme ça, là, il fait. Et tu sais que tu le contrôles. L'esprit qui est en toi là, qui fait que tu veux dérouter l'homme là, j'enlève. Je déclare que tu ne seras pas pour la perte de cet homme, mais tu vas le faire avancer. Au nom de Jésus. Je purifie votre cœur. Que vos motifs soient purs. Que vos intentions soient pures. Je viens bénir vos business. Tu sais, je vais vous dire un petit truc. L'ennemi connaît que quand tu te compromets, c'est fini. Tu peux être dans un quartier comme ça, là, tu as la plus belle maison. Tu es intègre. Tous les sorciers là, essayent de t'atteindre pas. J'ai parlé en français là, ils ne t'atteignent pas.
J'essaie de conjuguer dans ma tête. Mais bon, on quitte ça. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il ne t'atteint pas. Parce que tu as une barrière de protection, de justice autour de toi. Quelle que soit la personne qui est venue faire, tu as brisé cette barrière. Tu as mis une brèche. Je remets en toi la volonté. La volonté pour fermer cette brèche. Ton business est protégé. Même si tout le monde dans ta rue tombe dans le business là, toi tu ne tomberas pas parce que tu es protégé au nom de Jésus. Je vous libère de la masturbation. Tout esprit de masturbation qui vous dérange. Tu es marié. Tu te retrouves en train de te masturber. Et ça t'affaiblit. Je vois une personne que c'est comme si un esprit qui te contrôle. C'est dans ton oesophage. C'est là. Ce qui fait que quand tu te masturbes, tu sens beaucoup, beaucoup de glaire. La manifestation de cet esprit. Si vous avez de l'eau, prenez, cherchez de l'eau. Cherchez l'eau, vous ouvrez. Quand tu partais mettre l'enfant dans le ventre de ta femme, j'étais là. Que j'aurai assez de moyens pour pouvoir la venue de ton bébé. Moi-même, cela, je suis pas simple. Je suis très compliqué. Tu viens enceinte une fille, tu viens demander la prière pour que. T'amuses pas avec moi. Pour parler la venue de mon nouveau bébé. Allez. On continue. Hein. Avant de prendre, cherchez l'eau. Pendant que vous cherchez l'eau, je vais vous donner les trucs à répéter. Vous avez le sentiment d'avoir la glaire dans votre gorge. Je déclare que, et on dit moi, c'est le psaume 1 verset 2 que je vais vous faire répéter. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Moi, Jocelyne, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Moi, Jocelyne, je donne mon feuillage ne flétrit point. Je déclare que tout ce que je fais me réussit. Vous suivez ça? Tout ce que je fais me réussit. Je déclare pour les jeunes hommes qui sont ici là, vous êtes dans des relations et votre famille vous a bloqué pour que vous ne vous mariez pas. Je vous libère des blocages familiaux qui empêchent que vous ne preniez votre femme, votre fiancée là pour vous marier. Je déclare que vous trouvez l'argent. Quand l'argent tombe dans votre main, le prochain argent là, vous partez doter votre copine. Reçois l'argent pour doter cette copine. Le Seigneur me dit, il te dit que ce n'est même pas, c'est la volonté qui te manque, ce n'est pas l'argent. Parce que tu peux te décider, chaque mois tu achètes quelque chose pour la liste de cette dot là. Donc tout homme ici là que tu veux vraiment bien faire par rapport à ta copine, je déclare que tu sors des relations, des petits filles avec lesquelles tu étais du rôle là, ça te distrait. Il y a des hommes que ta famille connaît que si tu te maries, ta vie va décoller. Tu vas tout te retrouver. Dès que tu t'engages à une fille, la relation, pioup, ça part. Dès que tu t'engages, pioup, ça part. Ok, vous avez pris l'eau. On va prier contre la masturbation. Vous avez l'eau, non? Cherchez une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Cherchez, quand vous avez, vous me dites que c'est là. Toute femme ici là qui met le nom de son fiancé, tu sais qu'il t'aime, mais... Je déclare que cet homme-là, selon ce qu'il l'engagement que lui-même il a pris vis-à-vis de toi, je déclare que sa famille ne le découragera pas pour qu'il t'épouse. J'appelle l'argent pour que vous puissiez vous établir ensemble. J'appelle l'argent pour que vous vous établissez ensemble. Tout business qu'il est en train de faire, il attend déjà là. Mets le sel dans son eau, il se lave avec. Il y a des hommes que ses potes sourient, il va vraiment faire du bien avec toi. Tu sais, moi, on m'avait fait tellement de mal avant que je pensais que tous les hommes sont méchants. Oui, je pensais que tous les hommes sont méchants. Jusqu'à ce que je tombe sur certains hommes et que je vois la sensibilité de leur cœur. J'ai parfois des hommes qui sont venus que je les consulte. Je vois comment l'homme-là aime sa femme. Ah, alors l'exemple par exemple de mon chauffeur, Monsieur Abessolo. L'homme-là aime sa femme. Hey! Si tu les vois, ils sont là comme ça. Tu ne m'aimes pas voir, ils ne vont pas s'arrêter les mains. Genre, fais-moi mon bébé, ma chérie. Non. Mais... Tu dis à monsieur, parce qu'il a dit que nous, attends, appelle d'abord madame, appelle, je lui demande. Je déclare que vous trouvez des. Vous allez, même si je vois aussi un couple que vous aviez ce genre d'amour avant, et ça s'est abîmé.
Je restaure l'amour qu'il y avait au départ dans votre relation. Voilà, vous avez le verre d'eau. On va maintenant commencer. Je vous fortifie. Donc, ça, c'est contre l'esprit de masturbation. Ça, c'est contre... On va prier contre ça, ok? Tout vagabondage sexuel qui est en toi. Donc, répétez après moi. Tout vagabondage sexuel dont je suis victime, qui m'empêche de me stabiliser avec une fille, je m'en libère au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je déclare que cette eau que je vais prendre maintenant me libère de toute malédiction générationnelle. Toute envie de tromper ma femme ou même de me masturber, toute envie de détruire mon foyer. Je déclare, Papa Yahweh, que tu combats mes combats. Combats ceux qui me combattent. Il y a quelqu'un ici là qu'on a gâté ta bouche. Tu as beaucoup d'amertume. Quand tu parles, c'est pas bon. J'enlève tout insecte, toute chenille dans ta gorge, dans ta bouche, au nom de Jésus. Je viens bénir tes paroles. Je déclare avec cette eau que tu vas boire, le Seigneur saisit le petit et le grand bouclier. Il se lève pour te secourir. Répétez avec moi, Seigneur, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Seigneur, tu es le salut de mon âme. Je déclare la confusion et la honte sur ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte, moi, tu dis ton nom, moi, Jocelyne. Que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que toute personne qui m'a tendu un filet sans cause, Père très saint, juge les situations de ma vie. Si tu as une situation particulière, tu dis, tu présentes cette situation au Seigneur. Seigneur, voilà telle personne qui a pris mon terrain depuis, ne veut pas me remettre. Je commande à cette personne qu'aujourd'hui, tant qu'il ne me remet pas mon terrain, il n'aura pas la paix. Tant que telle personne ne fait pas telle chose, il n'aura pas la paix. Arrêtez de nommer le somme, répétez après moi. La consultation aujourd'hui, seulement aujourd'hui, c'est 80 000. T'as compris, ma chérie? Donc laisse ma consultation, écoute mes prières. Je n'ai pas le temps pour vous parler. C'est pour ça que mes consultations sont aussi chères. Parce que je n'ai pas le temps. Je déclare que la ruine atteint mes ennemis à l'improviste. Tout filet qu'ils ont tendu pour moi, je déclare que ces filets-là, ils vont tomber dedans eux-mêmes. Seigneur, je déclare que tu ne restes pas comme ça, tu regardes. Toute personne qui a été la cause de ma chute, je déclare, Père très saint, sur ces personnes. Le retour à l'envoyeur. Toute flèche qu'on m'a envoyée, je retourne à l'envoyeur. Par cette eau que je bois, je débarrasse mon corps de tout esprit et toute envie de se masturber, toute envie de tromper ma femme ou tromper mon mari, toute envie de, voilà, de tout découragement aussi, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de vagabondage sexuel, je m'en libère, au nom de Jésus. Que ceux qui sont mes ennemis ne se réjouissent plus à mon sujet. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je suis une femme respectable. Je suis un homme respectable. Au nom de Jésus, je me réveille. Je me relève. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ici là que si tu me sers comme tu me sers tellement bien, tu crois qu'elle peut donner les bonnes choses aux autres, je ne te donne pas. Il y a quelqu'un ici là que le Seigneur te dit qu'il va t'envoyer ton homme. Et tu étais tellement découragé. Mais le Seigneur me dit de te dire que tu crois qu'il va donner les bonnes choses aux autres, il ne va pas te donner. C'est la question que le Seigneur a pour toi ce matin. Donc crois. Pour certaines personnes, c'est là, reçois ton homme, reçois ta femme que le Seigneur a prévu pour toi. Cette personne qui va t'élever encore plus. Cette personne avec laquelle tu vas marcher, vous allez prier ensemble. Vous allez servir le Seigneur ensemble. Vous allez être riches ensemble. La baptiste me plaît jusqu'à. Allez, vous buvez maintenant. L'eau s'est chargée, maman. Yeah. Jesus. L'eau s'est chargée. Vous pouvez bénir encore l'eau, je vous donne ça. Je dois encore mettre les eaux bénies à votre disposition. L'eau s'est là, j'ai senti ça passer dans mon corps. Buvez.
Déclarez avec moi maintenant. Ma langue célébrera ta justice, Seigneur. Ma langue dira tous les jours ta louange. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns his face towards you and bring you peace. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Kariya maboshi karabasante arababusante. Le Seigneur vous restaure. Il enlève la peur de votre cœur. Il enlève la peur de votre cœur. Seigneur, montre-leur leur meilleure version. La version qui est maigre, plus mince que ça, plus potelée que ça. Cette version qui a les abdos comme elle veut. Cette version qui mange sain. Cette version qui est PDG de plusieurs entreprises. Cette version qui fait des dons dans des orphelinats. Cette version qui ne manque pas. Cette version qui fait de bonnes œuvres caritatives à travers le monde. Cette version qui voyage en première classe. Cette version qui conduit la Bentley blanche. Cette version qui porte des ensembles très beaux. Seigneur, montre-leur. Élie avait demandé au Seigneur de montrer à son serviteur combien sont avec eux. C'est Élie ou Élisée. Que le Seigneur vous montre combien sont avec vous, ce qu'il a prévu pour vous. Je déclare que vous vous levez. Votre destin va s'accomplir. Votre âme va s'épanouir. Votre richesse vient aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il y a des personnes ici, si vous avez la possibilité, allez dormir maintenant. Go to bed. All right? Go to bed. Go to bed. Certains, vous allez aller aux toilettes, à la toilette. Je vous ai dit que vous aurez des délivrances. Ouais. Beaucoup de glaire va sortir. Et vous allez aussi aller à la toilette. Mais vous allez faire des rêves, vous allez vous voir habillé en diamant. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes. Aha, tu viens de faire la diarrhée. Je le savais. Vous avez des délivrances qui sont en train de se passer. Je restaure votre puissance, ta puissance d'attraction. Je restaure ta puissance d'attraction. Il y a même des personnes ici, là, votre ministère est en train d'être activé. Votre ministère, tu es censé guérir les gens, mais depuis là, là, tu viens de ton pouvoir, tu sens ta puissance, donc tu sens comment ça te revenir. Non? Voilà. Là, c'est ta portion. Mets le doigt sur la gorge. J'ouvre ta gorge. Je déclare que tu vas parler sans avoir peur. Jérémie 1, verset 5. Tu parles sans avoir peur. Tu donnes toutes les paroles que le Seigneur t'a données. Maman, on a bloqué vos gorges. Mamma mia. C'est vous qui croyez que tout le monde vous aime, non? Continuez. Je restaure votre gorge. Voilà. Oui. Beaucoup d'entre vous, votre pouvoir est resté. Voilà, l'autre est en train de vomir. Ça va sortir. Vous êtes en train de te délivrer. Je vois beaucoup d'esprits qui bloquaient votre pouvoir. Votre puissance est ici dans les mains. Et là.
C'est ça qui est en train de sortir. Ceux qui sont en train de vomir et qui font la selle, c'est ce qu'on avait mis ici pour vous bloquer qui est en train de sortir. Certains, vos mains vont chauffer. Moi aussi, je t'aime. Parfois, là, quand il prie pour vous, je sens toutes vos choses là sur moi. Okay. Certains d'entre vous, si vous pouvez dormir un peu, on va vous montrer des choses dans le rêve. Certains, votre pouvoir a été restauré. Il y a des gens qui avaient volé votre pouvoir. Je dis bien voler votre pouvoir. Donc, ton pouvoir est en train d'être restauré. Reçois ton don pour guérir les gens. Je restaure le pouvoir de guérison de tes mains. Je restaure le pouvoir de guérison de tes mains. Je restaure ton don de vision. Le don de vision a deux utilisations, ok? Premièrement, tu vois, tu aides les gens. Et toi aussi, tu vois ce qui va te donner l'argent. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez les dons spirituels, mais vous n'activez, vous êtes pauvres. Les mains bénies, c'est quoi? Tu imposes les mains aux gens, ils guérissent. Et tu fabriques des choses avec tes mains, tu vends. Donc, commencez à... J'active la partie financière de vos dons. J'active la partie financière, la prospérité financière de vos dons, au nom de Jésus. Il y a des personnes ici là. La première fois que vous m'avez vu, vous avez vraiment senti quelque chose. Après, quelqu'un vous a parlé de moi, ça vous a découragé. Et pourtant, à chaque fois que tu m'écoutes, tu ne peux pas t'empêcher de venir me voir. En fait, tu viens toujours à chaque fois sur ma page. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées parce qu'elles me suivent. Il y a une femme qui me disait hier que ses soeurs qui l'ont vue dans ma page, sur ma page. Elle me dit que tu fais quoi sur la page, la femme là? Et tu fais quoi sur sa page? Parce qu'ils savent que les blocages qu'ils ont mis sur vous là, ils savent que si vous continuez à regarder mes vidéos, vous allez être débloqué. Voilà. Je vous libère de l'emprise ou des opinions familiales au nom de Jésus. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Il y a quelqu'un ici là, tu as lancé ta page hier ou avant-hier, tu as peur. Tu es sur le chemin. Tu suis? Tu es sur le chemin. Alfred, envoie-moi ta photo, je te fais un lavage. Tu vas passer l'interview, tu demandes les astuces. Vous aimez trop les astuces sur TikTok. Ouais, Seigneur. Non, ouais, Tina. Tu te laves déjà au sel. Tu veux que tu donnes encore quoi? Allez faire des libations tout à l'heure. Tout ce que vous allez verser, je déclare que tout liquide que vous allez verser, la terre où vous vivez, va accepter au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici là que ta peau, les peaux mortes sont en train de quitter sur ton corps. Tu dois carrément aller faire un soin hydratant sur tout le corps. Parce que tu as des peaux mortes qui sont en train de quitter, des peaux mortes spirituelles et physiques carrément. Donc, il était dit que c'est en train de, tu es en train, ta beauté est en train de revenir dans le physique et dans le spirituel. Voilà. Et ne regarde pas les gars qui ont quitté les gens ici. Vous pensez que quoi? Vous mettez les pitiés, les trucs bizarres. On va vous prêter chez les gens pour qu'on en foute vos gars. Arrêtez les bêtises là. Arrêtez-moi ça. Vous avez trop les mauvaises intentions. Voilà. Je vous bénis. Je vous bénis. Je chasse la maladie de votre corps. Toute maladie, toute douleur, mettez la main sur l'endroit où vous avez mal. Je viens chasser la douleur de ce corps. Je commande la restauration de tes cellules, de tes muscles sur cet endroit. J'enlève tout liquide extra qui vient te faire des problèmes. Tu écris en inbox, une des secrétaires va te... Il y a le numéro WhatsApp sur le truc là, sur la bio. Une des secrétaires va te donner le truc, le contact. Bon, je vous fortifie. Passez une bonne journée. Voilà. Je prie pour la guérison d'un endroit de votre corps. Oui. Des douleurs de dos, je guéris. Je déguéris les douleurs de genoux. Je commande à vos tissus d'être restaurés. Je commande la santé parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous dormez cette nuit, l'ange Michael, l'ange Raphaël viennent vous guérir. Ils viennent changer. Tout homme dans ta vie qui était là pour te dérouter, je déclare que cette nuit, tu vas voir le vrai visage de cet homme dans ton rêve. Tu reçois aussi la force pour le quitter. Reçois la force pour te remettre en place. Il y a un homme qui t'exploite beaucoup.
Tu le sais, mais tu n'arrives pas à quitter. Je te restaure. Il y en a ici, là, toute la journée, si peut-être on m'a demandé de rester à la maison. Si tu travailles à ton compte, tu vas rester à la maison, tu vas peut-être même dormir beaucoup. Parce que tu as beaucoup qui est sorti de ton corps. Donc, ils vont te recharger. Les anges vont venir travailler sur toi. Il y en a ici, là, que vous allez vouloir ne pas voir quelqu'un aujourd'hui. Arrêtez les réseaux sociaux. Passez de temps en temps sur TikTok. Ne passez pas toute la journée sur TikTok. Dormez. Tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu auras les idées écrites. Tu dors, tu te réveilles, tu as les idées écrites. Ok, je régularise votre cycle menstruel au nom de Jésus. Je viens contre les mauvais fonctionnements hormonaux. Je restaure cela. Je commande votre guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je retourne à l'envoyer toute flèche qu'on a envoyée sur vous. Et aussi, il y en a parmi vous, vous n'êtes pas disciplinés. Vous n'êtes pas disciplinés. Vous n'êtes pas disciplinés, même un peu. Quand Dieu vous parle, ah, je sais, mais... Tu ne te laves pas au ciel. Tu ne jeûnes même pas une fois par semaine. On jeûne les mercredis en passant. Donc, si vous écrivez en inbox, demandez le lien WhatsApp pour entrer dans le groupe de jeûne. Bon, demain, on jeûne. Voilà. Dieu a prié pour les enfants. Si vous pouvez écrire sur WhatsApp aussi. Bon. Bonne journée. Sinon, je ne vais jamais partir d'ici là. Bye bye.